Pour les chiffres clés de la commune de Bellac. Avec moi sur ce plateau, j'accueille la maire sortante, Corinne ourcade hatt Bonjour. Bonsoir. Vous brisez donc un. Vous briguez un deuxième mandat de maire à la tête d'une liste sans étiquette baptisée Ensemble pour Bellac, toujours plus fort avec vous. Vous êtes arrivé en deuxième position au premier tour avec 38% des voix. Face à vous, un adversaire qui était lui aussi candidat en 2014, Claude Perronnet. Bonjour. Bonjour. Vous menez une liste intitulée Bellac, le sérieux et l'action et vous êtes arrivé en tête du premier tour avec 45% des voix et vous avez fusionné avec la liste d'Alice Mori, un nouvel élan pour Bella qui elle avait obtenu... On le voit, plus de 16% des suffrages. Alors, le premier tour, c'était il y a trois mois, jour pour jour. Première question à tous les deux, comment est-ce que vous avez vécu cette période de, de crise sanitaire, de confinement, Corinne Nourkan, euh, aux affaires Donc, forcément. – disons que oui, aux affaires, effectivement, il y a effectivement eu beaucoup de choses à mettre en place. Mais ce qui est vrai, ce qui a été notable, c'est l'élan qui s'est mis vraiment tout de suite, immédiatement, sur les roues, si on pouvait dire, en fait, entre les élus, les associations, les employés, tous, tous les artisans, commerçants aussi, qui ont pu continuer à à travailler et qui ont su dynamiser en fait leurs actions au regard de la population pour lutter contre l'isolement, pour leur permettre d'avoir les courses, les médicaments. C'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de choses qui changeaient, qui évoluaient et tout ça dans un cadre aussi de continuité des services où nous avions des services aussi qui n'étaient pas ouverts et qui s'étaient parfois mal compris. Hein. Donc à assumer, à porter, mais avec, je dirais, franchement, un élan qui du était positif, très bien, vrai. très positif. Mmh. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de partenaires qui se sont présentés des personnes individuelles, des associations caritatives et autres, de manière à ne jamais laisser quelqu'un au bord du chemin. Et je trouve que ça, il faut le souligner et le rappeler. Claude Perronet, ça a été particulier comme période à vivre, ce, ce confinement, bah, avec je... une campagne qui s'arrête aussi Ah oui, oui, hum. c'est vrai. Mais je crois que c'est une crise qui nous a montré nos, nos fragilités, nos vulnérabilités, hum. hein, nos impréparations aussi. Je ne parle pas des impréparations locales, mais... L'épisode des masques, par exemple, a été une, une véritable mascarade. Alors, effectivement que, heureusement, euh, les soignants, les, les accompagnants, les, les auxiliaires de vie, les, les personnels divers euh, ont fait leur travail avec euh, beaucoup d'abnégation et, heureusement aussi, que les associations et la majorité des collectivités qui sont les, les premiers maillons de la solidarité ont, ont assuré, quoi. Alors, pour ma part, euh, moi, j'ai assez mal vécu la période du... Du confinement, parce que vous savez, au début, euh, on se dit on va faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire, lire les livres, ranger son bureau et tout ça. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, on s'ennuie, et finalement, on s'ennuie des autres. Mmh. Et pourtant, moi, j'habite la campagne, et pour des raisons d'association, il fallait que je me déplace et tout ça, parce que l'homme est un animal social, hein, mmh. et il a besoin, effectivement, des, des autres pour euh, construire des projets, pour vivre, pour se réaliser. Et je me suis mis à réfléchir peut-être un petit peu plus euh, au sort des des personnes âgées isolées dont pourtant je, je m'occupe en me disant qu'il faudrait vraiment s'y intéresser encore plus. Alors, il y aura sans doute des leçons à, 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 à tirer, tirer. Hein, bien sûr on les tirera plus tard, tout ça nous apprendra à être modestes sans doute, et puis il y a aussi, parce que la crise n'est pas finie, à la fois la crise sanitaire, elle doit pas être tout à fait finie. La crise économique, il y a en fait. la crise économique, oui, oui, oui. sociale, oui. effectivement. Et là, il y a un gros travail à faire, bien sûr. Alors, Corinne, vous étiez aux affaires, donc forcément une position qui est visible, qui est exposée aussi. Euh, ce qui était très particulier dans un contexte de campagne qui s'arrêtait, mais qui n'était pas terminée puisque aujourd'hui elle reprend. Euh, Est-ce que ça a été compliqué mmh. Bah disons que dès le soir que vous avez été annoncé le confinement, moi j'ai suspendu ma campagne. Je partais du principe où j'étais finalement aux affaires, il fallait que je continue, que je les mène de la meilleure des manières au regard de l'engagement que j'avais pris en 2014 et que je souhaite continuer aujourd'hui. Et c'est vrai que. Je rejoins quand même aussi certaines choses au regard des personnes qui avaient besoin de nous. Donc, on a aussi mis des cellules d'écoute, on a mis des luttes contre l'isolement, on a rajouté des numéros de téléphone. Mais c'est vrai que, si vous voulez, je l'ai vécu évidemment différemment de ceux qui étaient complètement confinés, puisque nous, on était continuellement sur le pont en train d'essayer de tout comprendre. Parce que c'est vrai que le matin, on avait un protocole, l'après-midi, on pouvait en avoir un autre. C'était ben, un peu, comment dire, chacun essayait de, de, de s'en sortir du mieux qu'il pouvait de manière à pouvoir rendre les choses lisibles, compréhensibles, et surtout aussi à ne laisser vraiment personne au bord du chemin. Quoi. Claude Perronnet, vous n'avez pas été tendre hein, avec Corinne Urquatat pendant cette période-là moi, moi, je pense que, je, je pense que la, la mairie de Mélac a... a hein. je, bon, je, mmh. Alors, écoutez, j'ai simplement posté sur, sur la page Facebook <laughs> de notre liste deux petites notes. Une à propos non pas des masques, mais de la formule qu'utilisait la mairie qui disait euh, ⁇ le masque n'est pas obligatoire dans l'espace public mmh. ⁇ Ce qui était vrai, mais il était très fortement recommandé. Et je trouvais que ce n'était pas une bonne image à donner. Moi, je porte le masque. Pas simplement pour me protéger, mais surtout pour protéger les autres. Mmh. Je trouve que c'est un acte mmh. citoyen finalement. Et puis l'autre remarque que j'avais faite, c'était aussi sur sur les couturières bénévoles. Moi, je, je m'occupe d'une association et des couturières bénévoles ont fabriqué des masques. Bon, je pensais qu'on aurait pu les encourager un peu plus. Et puis l'autre problème, c'est celui de l'école. Hein, je, je trouve qu'on n'a pas mis suffisamment d'entrain euh, pour permettre aux enfants. On savait qu'il y aurait des enfants qui reviendraient à l'école, de toute façon, puisqu'il y a des familles qui, qui travaillaient, qui ne pouvaient pas faire autrement. Vous dites, j'aurais oui. fait mieux, quoi. Voilà, non, je n'ai si pas, ça. Ça. Pas, <laughs> pas dit ça. Ah, je pourrais répondre après. Non, non, je oui, n'ai absolument pas dit la ça. J'ai dit, j'aurais mis un petit peu plus d'entrain, oui, pour régler ce problème-là. Parce que je pense qu'en plus, il y a des gamins qui, encore aujourd'hui, ne sont pas à l'école et qui seraient mieux. À l'école que de traîner où ils sont. Voilà ce que je. Mais Combien je pense en fait, pas avoir euh, été. J'étais étonné d'ailleurs que, 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 ça, que ça vous excite autant, si j'ose oh, dire, me, ces non, deux postes-là. Non, vous permettez, rien bon. ne m'excite. Oh, la si, seule si, chose si. que je n'aime pas, c'est quand on essaie de biaiser les choses. Donc pour les masques, j'avais consulté le, le conseil municipal parce que nous avions une proposition de groupement de commandes de la communauté de communes. Euh, les mêmes personnes qui aujourd'hui me parlent des couturières, si j'avais acheté des masques non homologués, je pense qu'on me l'aurait aussi reproché. Donc moi, j'avais. Ça pose un problème dans d'autres. Commune, Exactement. Moi, j'avais à cœur d'acheter des masques homologués, en plus fabrication française, puisque c'était une, 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 une entreprise du territoire, je, je dirais pas le nom, hein, mm -hmm. qui euh, donc avait fait ces masques-là. Euh, il a fallu faire un nombre restreint pour qu'ils soient livrés en temps et heure, et on avait commandé d'autres séries de masques, avec bien évidemment l'idée de les distribuer tout d'abord à nos employés et aux personnes depuis 70 ans. Après, c'était à la demande, comme dans toutes les autres communes. Donc c'est vrai que les petites polémiques, grosses polémiques qu'il y a pu avoir autour de ça, je comprends pas trop bien. Ouais. Et sur si sur les écoles, sur les écoles, je dirais que mes collaborateurs et les élus sont euh, approprié un protocole qui faisait 63 pages au départ, 54 pages ensuite, avec la nécessité de, de rencontrer les directeurs d'école. Et euh, contrairement à ce que vous dites, c'est quand même les directeurs d'école qui choisissaient qui sait qu qui rentrait à l'école, qui ne rentrait pas à l'école. Donc on a fait une diligence pour remettre tout en place. Et pour les enfants, au regard de l'intercommunalité, on avait aussi mis en place, les, autant que faire se peut, les activités qui étaient permises. Après, la capacité liée au protocole ne nous permettait pas de faire entrer tout le monde. 74 enfants pouvaient reprendre sur 282 qui étaient scolarisés. Oui, vous avez adressé une lettre aux parents d'élèves, vous seulement, sans le directeur d'école, qui était particulièrement Anxiogène que j'ai là et qui poussait plutôt les parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école. Et très sérieusement, je trouve que c'était pas bien. Voilà, c'est tout. Mais très sérieusement, je trouve que c'était bien et qu'il fallait ah aussi relever droit. les problématiques d'un protocole qui était aussi anxiogène pour tout le monde. Et vous je êtes d'accord sur votre désaccord Alors, lors de voilà, notre voilà, débat, est fait. Fait du premier <laughs> tour, on avait abordé un certain nombre de thèmes. On avait parlé d'environnement, de sécurité, d'économie. Euh, J'aimerais qu'on qu en aborde d'autres, hein, puisque ce, ce premier débat, il est toujours en ligne. Il est disponible sur notre site internet. Euh, on va parler. Euh, de, de thèmes qui vont avoir besoin de soutien. Euh, je pense à la culture, je pense au sport. Euh, la culture, c'est le théâtre du Cloître, c'est le mmh. festival. Mmh. Alors, euh, on sait que Catherine Dété, la directrice, est partie vers d'autres oui. horizons à Châtellerault. Euh, co comment ça va se passer pour cette structure-là à Bellec Au niveau des, des sports et des animations, parce que c'est vrai qu'avec le monde économique, c'est aussi les structures qui sont le plus en souffrance. Oui. Hein. Tout le monde, tout le tissu associatif et culture et sport euh, très représenté sur notre territoire. Donc sur la culture, euh, au niveau du théâtre du Cloître, ils ont fait des, des belles propositions d'animer. La ville, en fait, sur le thème de Giraudoux, avec une troupe qui s'était déjà produite il y a deux ans sur le territoire. Donc quelque chose de mobile. Dans ah, la mobile, ville. mobile, au sein de la ville. Après, l'idée aussi, c'est que j'ai discuté ce week-end avec des gens en espérant pouvoir faire une fête de la musique, quitte à se qu'on un grand chapiteau, vous savez, au milieu de la ville. J'espère qu'on trouvera des, des musiciens et je pense qu'aujourd'hui, avec la problématique de, du confinement, il y a certainement des gens qui doivent être disponibles. L'idée aussi, ça serait. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux ou pas faire le feu d'artifice, mmh. euh, vu les gestes barrières qui sont toujours écrits pour l'instant. Oui. Donc ça veut dire aussi voir si après, on ne peut pas faire une fête ben, soit de l'été, soit de, de fin de confinement, mmh. je veux dire un peu festive. Et au niveau du sport, ben, là, les associations effectivement sont en train de réfléchir, parce qu'on a beaucoup d'annulations de choses très importantes qu'il y avait sur notre territoire. Et c'est vrai qu'il faut les accompagner, les écouter, essayer de voir comment on peut arriver à mettre en lien et, et ressaisir les choses qui sont très très importantes. Et donc, donc si une... vous êtes réélu, ce sera une priorité pour vous, le soutien une des pri... à ces associations-là une des priorités et c'est vrai qu'au niveau du monde de la culture on a aussi un réseau hein, au niveau euh, de la communauté de communes qui est très important donc c'est aussi de mieux travailler peut-être les réseaux qui travaillent déjà très bien hein, mais c'est peut-être voir comment on peut apporter des choses au fil du temps hein, en s'appuyant aussi sur le réseau lecture qui lui a pu réouvrir euh, début de, de fin de confinement Claude Perronnet vous vos propositions en la matière non, mais la culture c'est pas simplement par rapport à la crise du, sûr, du Covid, tout à fait. non. non c'est un projet sur un mandat au aussi un donc, euh, la culture c'est un mot qui fait parfois peur et puis parfois dans dans, dans certaines collectivités, on se dit voilà, c'est quelque chose qui coûte et qui ne rapporte pas financièrement, mais qui rapporte, qui rapporte beaucoup. Je veux dire, c'est ce sans doute ce qui nous permet, ma définition à moi, de ne pas être de simples consommateurs. L'homme n'est pas fait que pour manger et dormir, mais aussi pour communiquer, pour rêver, pour imaginer, pour participer à la vie sociale. Alors, des fois, on pense que la culture, c'est un peu la, la cerise sur le gâteau, le, le truc en plus, quoi. Nous, c'est quelque chose qui est constitutif de de la condition humaine. Il n'y a pas de société sans. Mais c'est quelque chose qui peut faire venir euh, des touristes, qui peut faire Absolument, venir des Absolument, ça, ça joue un rôle économique. En mmh. plus, c'est un domaine où des professionnels et des amateurs peuvent se compléter, mmh. euh, cohabiter. Alors, Bellac euh, est bien pourvu en structure et en association, mais il y a encore, euh, il y a encore des problèmes à régler. C'est vrai exemple. Euh, ben, Par exemple, des problèmes de salles, des problèmes de locaux. La, la municipalité précédente avait fait de gros efforts avec. Euh, la maison des, des associations, mais il est normal que les associations qui ont des activités souhaitent des salles, des problèmes de lieu d'exposition, par exemple. Vous, nous avons à Bellac un cinéma qui est exceptionnel, je dirais deux mots sur le théâtre après, mmh. un cinéma qui est exceptionnel. On a dépassé, je crois, les 13 000 spectateurs par an, mais... Il n'est pas propriétaire de ses locaux, les... la situation financière n'est pas facile, donc il faudra absolument le, le pérenniser. Alors moi je ne vais pas passer toutes les structures, elles sont nombreuses. Quant au théâtre, alors effectivement je suis très content qu'il mm -hmm. y ait des propositions pour oui. l'été puisqu'il n'y a pas de festival. Oui. Et nous allons changer effectivement de, de directeur, oui. je crois que c'est jeudi, c'est le, 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 le 18. Bien, bien. Alors moi je serai pas... Administrateur de ce théâtre, j'aurais simplement à dire oui ou non, mm -hmm. si vous voulez, je oui. ne participe pas au choix. Mm -hmm. Mais ce que je voudrais dire au directeur et à l'équipe du théâtre, c'est dire voilà, c'est une structure exceptionnelle, des bâtiments exceptionnels, c'est une programmation de très grande qualité. Il faut encore et encore faire des efforts, trouver des systèmes pour amener plus de Bélachon et de Bélachon, et des gens de la région, bien sûr, au spectacle et au théâtre. Voilà la mission que la moi je donnerais. On va aborder aussi l'aspect financier. Pour votre bilan, Corinne-Ourcade, les finances sont tenues Les impôts sont à quel niveau ouais, Les impôts sont restés au même niveau. Je crois que ça doit faire 12 ans en arrière que les impôts n'ont pas augmenté. Et il n'est pas prévu de les augmenter. On sait oui. que les ressources, elles manquent. Dans les, les ressources communes. manquent. D'ailleurs, elles vont continuer à manquer, puisque la baisse des dotations continue encore cette année. Et par contre, il y a eu aussi des frais en plus. Mais nous avons quand même désendetté la commune de plus de 700 000 euros en ayant perdu plus de 900 000 euros de dotation. Donc c'est vrai que les choses continuent à avancer, il faut continuer à investir, mais il faut avoir une gestion rigoureuse et affirmée de, de, de ce qui se passe, même si aujourd'hui, malgré les annonces qui sont faites dans hein, l'état actuel des choses, la baisse des dotations continue quand même un tout petit peu... Euh, Peut-être un peu freiné, mais continue un petit peu. Alors comment on fait mieux avec moins Comment on fait mieux avec moins Bon, déjà il faut arriver à rationaliser. Il y a aussi des choses, même si le mot rationaliser parfois peut paraître pour un gros mot, mais c'est aussi voir comment on peut se fédérer avec nos collègues de l'intercommunalité, puisqu'il y a des projets qui peuvent être aussi portés au niveau intercommunalité, où on peut peut-être avoir une gestion mutualisée et intelligente. Et là, le mot intelligent est dans l'intelligence de situation, l'intelligence de cœur, l'intelligence de territoire. Et c'est vrai qu'on peut arriver à faire mieux avec moins, mais il arrivera un moment où je pense que l'État faudra qu'il entende qu'on finira par ne plus pouvoir faire si on continue à avoir que des moins. Ouais. Euh, là aussi, il faut être réaliste. Claude Perronnet, au niveau votre projet, au niveau finance, ce sera... Euh... D'abord, moi, je vais faire un constat, si oui. vous voulez, c'est que lorsque cette municipalité est arrivée, euh, elle a fait faire un audit par un, un cabinet privé parisien, d'ailleurs, très, très bon audit, qui a quand même coûté 10 000 euros aux contribuables Bélachon et qui ne nous a rien appris. Je l'ai là, très, très bon audit qui ne nous a rien appris de ce que nous savions déjà, c'est-à-dire qu'il y a six ans, la situation financière de la commune de Bellac était tendue, extrêmement tendue, comme elle l'était six ans avant, douze ans avant, dix-huit ans avant, et comme elle l'est encore aujourd'hui. Parce que moi, je n'aurais jamais abordé la question de la dette par habitant, c'est vous qui l'avez abordée, elle a augmenté de 2,90%. Alors vous allez me dire, parce que la population a diminué, mais pas que. – Ça c'est vrai, la population elle a malheureusement énormément diminué, mais pas que, parce que si je regarde, le capital reste tendu, alors il est fluctuant. Hein, – bah, Ça dépend les des emprunts de que vous faites. – Eh bien oui, mais 5,9 millions 9 en 2015, 5 millions 987 ans en 2018, alors que ça avait baissé en 2017, donc on ne peut pas dire que la situation financière de la commune de Bellac soit bonne. Enfin, mais elle est tendue, Attends, je dis simplement ça, je ne vais pas moi euh, me battre là-dessus. Mm -hmm. Parce que cela tient à l'histoire, cela tient à la baisse continue, vous l'avez dit, euh, des dotations, bien sûr, à la faiblesse. Nous avions parlé de la pauvreté la oui, dernière fois, du potentiel fiscal de notre commune. 58% des contribuables ne payent pas l'impôt mmh. sur le revenu, à la baisse de la population, et puis aussi à des conditions administratives et, et géographiques. Nous sommes une ville-centre, nous sommes un chef-lieu euh, d'arrondissement, et nous avons donc des dépenses qui ne correspondent pas à nos recettes. Je prends un simple exemple. J'ai travaillé avec Ouzex pendant dix ans, qui a des revenus fiscaux énormes, mais qui n'a pas à payer une piscine, oui. qui n'a pas à payer un théâtre, etc. Vous oui, voyez que nous, nous, de nous, devons, bah, nous devrions recevoir ça, beaucoup ça plus je, vais, je voudrais juste répondre oui. sur l'audit. En fait, si l'audit avait été diligenté par nos soins, c'est que là, moi, j'avais été reçu par des services de la sous-préfecture qui voulaient mettre la commune en réseau d'alerte. Mm -hmm. Donc, j'aurais trouvé éminemment injuste d'être élu au mois de mars et d'être en réseau d'alerte au mois de juin. Ah et si c'était moi qui avais annoncé les chiffres, vous comprenez bien qu'on aurait dit qu'on avait biaisé. Là, un cabinet qui a objectivé les chiffres, même si certains devaient effectivement être connus des sortants, je trouve que c'était quand même très objectif pour les 27 personnes qui siégeaient. Alors, il nous reste moins de 4 minutes. J'aimerais une réponse par oui ou par non à cette question. Si vous êtes élu, est-ce que vous resterez à la présidence de la communauté de communes Mais vous savez, c'est pas moi qui le décide. C'est pas oui ou non. Mais vous le souhaitez. Ah, j'aimerais. Oui, vous aimeriez. Oui. Euh, Claude Perronnet, si vous êtes élu, vous le souhaiteriez aussi À titre personnel. Oui. Non. Pourquoi Parce que je pense que la tâche qu'il y a à conduire au niveau de la commune de Bellac est suffisamment importante, suffisamment prenante pour euh, s'y consacrer essentiellement. Par contre, si nous sommes élus, nous revendiquerons la même place pour Bellac mm -hmm. que Bellac actuellement à la communauté de communes, c'est-à-dire... Il un y un Bellachon la... ou une Bellachonne à la présidence, mais pas, a... pas vous Peut-être un Bellachon ou une Bellachonne à la présidence, mais au moins trois personnes, dans le... puisque c'est le cas aujourd'hui, au moins trois personnes dans le bureau de la communauté de communes, il faut que Bellac pèse effectivement de la même façon. Très bien, merci. Il nous reste trois minutes. Je vous pose, comme la dernière fois, la rituelle question de fin d'émission. Si vous êtes réélu, donc pour vous, Corinne Urquhad-Hat, quelle sera votre mesure phare, votre mesure symbolique que vous prendrez au début de votre prochain mandat donc. Ben Disons que les contingences d'aujourd'hui feront que le premier objectif qu'on aura, c'est la relance économique. Mmh. Euh, parce qu'évidemment, même si ce n'est pas une mission directe de la mairie, c'est fédérer toutes les énergies pour relever quand même tout notre système, hein, parce que hôtellerie, commerce, etc., ont quand même beaucoup souffert pendant cette période. Donc qui dit relance économique, dit aussi euh, tout ce qui est le monde associatif, euh, faire ressortir les gens, peut-être la lutte contre l'isolement et l'enfermement aussi sera très importante, et aussi leur donner envie de sortir, donc euh, ben, voir comment on peut éventuellement réouvrir la piscine, comment euh, le cinéma, effectivement, a dynamisé. Le théâtre et aussi au ben, fin... oh. Comment dire aujourd'hui on a un environnement privilégié Comment aussi euh, travailler sur notre environnement et voir comment on peut euh, calculer les, les circulations, la place du vélo, euh, la place du développement durable et puis surtout aussi garder l'élan de solidarité. Très bien. Euh, Claude Perronnet, même question. Votre mesure ouais, bah, symbolique je, pour, je pourrais dire la même chose, c'est redonner vie effectivement euh, à Bellac après la... Bah, si vous dites la même chose, on ne peut pas faire ouais. la différence entre vos listes. Et bah, écoutez, je vais en dire un peu plus. <laughs> oui. Alors, bon. vous plaît. Mais c'est redonner vie euh, avec une priorité. Alors bien sûr, il y a la vie culturelles, euh, associatives, etc., etc., avec le gros souci, effectivement, de la vie économique. Et je me souviens avoir dit, euh, lors du débat avec la CCI, que précisément, mmh. la première réunion que je ferai, c'est avec euh, les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, etc. Et je pense que c'est plus vrai que jamais. Hein. Il y a sans doute des aides à apporter. Et puis j'ajouterai, comme je l'avais dit la dernière fois, je le redis cette fois, la réorganisation des services de la mairie, parce que ça me paraît être une urgence. En un mot, vous appelez les électeurs à voter, puisqu'on sait qu'il y a un électeur sur deux quasiment qui ne s'est pas déplacé au premier tour oh ben là oui, de manière conjointe, on appellera les, les électeurs à voter, puisqu'on a mis en place un projet de, comment dire, de, de baguette, de sachet baguette, où on mettra que l'abstention, il faut, faut lutter contre, puisque le premier acte de démocratie participative, c'est d'être citoyen. Très bien, vous, vous partagez bah Bien sûr, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de votants. que la dernière fois. Eh bien, on le souhaite aussi. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. France 3 Limousin continue à vous faire vivre donc cette campagne. Vous pourrez revoir ce débat en ligne dès demain. La campagne se poursuit. Je vous rappelle que le second tour, c'est dimanche 28 juin. Demain, un nouveau débat dans ce studio avec Angélique Martinez. Elle recevra les candidats de Condat sur Vienne en Haute-Vienne et de Feltin en Creuse. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis et tout de suite, eh c'est la suite de vos programmes sur France 3. Merci de votre fidélité et à très bientôt.